Bonsoir à tous, je vous retrouve pour la présentation de l'album que je viens de terminer, donc l'album bébé avec la collection que vous allez voir ici, donc c'est la collection Baby Girl World de chez Paper For You. Donc là je suis contente parce qu'il me reste vraiment pas mal de papier, que ce soit du papier 20-20 ou du 15-15, j'ai plein de chutes, j'ai encore pas mal de die cut. J'ai gardé aussi les chutes du papier rose et du papier crème, au cas où. Donc pour un autre projet, ça pourrait être pas mal. Donc ici, on a l'album terminé, ça y est. Donc là, vous pouvez voir sur la couverture, j'ai... Alors ça, c'est le prénom de la petite. J'ai fait un petit shaker avec... En fait, j'ai utilisé... Hop, vous voyez, là. J'ai utilisé dedans les petites découpes qu'il y avait en fait dans la réserve de la perforatrice que j'ai utilisée dans tout l'album. Du coup, j'ai récupéré que les petits poinçons et les papillons que j'ai mis dans le shaker. Voilà. Et donc, dans le shaker, on a aussi une carte qu'on sort. On voit au travers, du coup, le papier déco. Et puis, ça, c'est une carte où on peut mettre la photo de la petite. Voilà. Donc, ça, c'est incrusté dedans. Ici, j'ai fait très simple, j'ai juste mis donc, le petit ruban, j'ai mis un nœud, quelques demi-perles. Là, j'ai mis juste le nounours en 3D, sinon le bébé, je l'ai laissé comme ça. Ici, j'ai fait une tranche en... Je sais pas trop ce que c'est, ça. Tu sais ce que c'est? C'est du... Pas de... Une espèce de ouate épaisse, tu crois? J'aurais dit de l'espèce de laine, bon, quelque chose qui est tissé en tout cas, voilà. Donc c'est toujours du tissu de récupération, c'est très très rare quand j'achète du tissu exprès où c'est que vraiment j'ai pas le choix parce que j'ai rien qui va avec la collection. Hop, j'ai juste un petit truc ici là, bon j'enlèverai après. Ici, alors ça je viens de les recevoir, c'est des petites épingles comme ça avec une boule dedans, vous avez plein de petites choses, des étoiles, des cœurs, plein de choses comme ça. Donc je trouvais ça super mignon, ça va bien avec le shaker devant. Et donc à l'arrière, j'ai fait un petit travail. D'habitude je travaille pas autant l'arrière, mais là voilà, j'ai fait quelques collages. J'ai mis des die cuts, le seau comme toujours avec un petit nœud juste au dessus. Et puis voilà, ça c'est l'extérieur. Ici, donc, on a le nœud avec le double ruban. C'est un espèce de ruban, ruban corde un peu. Je ne sais pas trop comment le définir. À l'intérieur, donc ici sur la couverture avant intérieure, on a cet emplacement-là. Donc ça peut être un emplacement photo. Là, on peut clairement en mettre deux. On peut en mettre une ici si on veut. Ici, on a la carte. Donc avec la fameuse dentelle dont je vous parlais. Donc il y avait les petits poinçons et les papillons ici. Donc j'ai tout récupéré pour faire le shaker. Donc ça c'est la première carte avec une languette ici. Comme sur la couverture, la carte qui se glisse dans le shaker, c'est pareil. J'ai fait une petite languette pour que ce soit plus simple. Donc ça, ensuite on a première page, donc... On a ce fermoir qui est aimanté. Ensuite, on a pas mal de rabats. Sur quasiment tous les rabats, vous aurez cette dentelle. Voilà, avec emplacement photo. Donc 1, 2, 3, 4 emplacements photo. Ici, ce sera toujours ouvert sous ou à côté des die cuts. C'est toujours ouvert pour pouvoir glisser la photo en dessous. Je ne savais plus dans quel sens je l'avais mis. J'ai mis des demi-perles un peu partout. Ici aussi, sur le dessus, là, vous ne voyez pas. Ici, voilà. Ensuite, on a dans toutes les pages une carte qui est décorée juste sur le rabat. Donc sur les cartes, on peut mettre jusqu'à 4 photos si on met des petites. Sinon, voilà, c'est entre 2 et 4 photos, quoi. Ici, on a aussi un fermoir aimanté. Il y a pas mal de fermoirs aimantés dedans. Avec. Attendez, j'ai pas oublié quelque chose moi. Si, j'ai oublié quelque chose, pardon. J'ai oublié mon interaction.
Donc l'accordéon avec un emplacement photo ici, un emplacement photo ici. Ici c'est pareil, c'est pas collé en dessous. Donc l'accordéon, voilà, on peut passer à la deuxième. Donc ici on a des rabats. Rabat emplacement photo. Ici on a, je vais prendre un petit quelque chose pour vous montrer. On a donc ici c'est ouvert. Donc on peut coller une photo ici, plus en déposer une autre dans la pochette. Pourquoi pas en mettre une autre ici. Il faudra juste vérifier par rapport à l'aimant pour pas que ce soit gêné. Ici on ouvre encore, on a donc un emplacement photo ici avec de la petite dentelle. Ici c'est la cascade à tirer avec la susu là en bas en 3D. Voilà. Tac. Ensuite, là c'est un fermoir ceinture. Donc on a juste à décaler le petit carré là. Et puis on ouvre. Ici on a encore les dentelles. Les demi-perles en haut. Donc ici des rabats avec emplacement photo toujours. Ici on a un grand emplacement photo si on veut. Tac. Là on va ouvrir. On a une autre interaction. C'est assez sympa, j'aime bien celle-là. Ensuite. Hop. Vous voyez, même à une main, il est quand même facile à fermer celui-là. On a toujours les cartes dans les pages. Sur le côté des pages. Ici, rabat aimanté encore. Avec un emplacement photo. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de finir de décorer ici. Ça, c'est la cascade diagonale. Donc, que j'avais laissée de côté. J'avais dit que je finirais de la décorer plus tard. Ben voilà. Elle n'est pas finie de décorer. Donc, je vais le faire. Voilà. Donc ici, on a quand même pas mal d'emplacements photo. On a celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a quand même 10 emplacements photos juste sur une seule page. Plus une photo ici si on veut. Je sais plus si je l'ai laissé. Ouais, ici je l'ai laissé ouvert aussi. Donc on peut en glisser une en dessous. Ensuite, ici on a 2 emplacements photos sur des cartes simples. Donc là j'ai juste découpé dans le design. Il va falloir... Ah non, ça c'est le décor. Donc ici j'en ai mis une en fait... dans ce sens et l'autre qui va par-dessus dans les deux ouvertures, comme ça, ça les maintient bien. Ici on ouvre, on a cette petite scène, voilà. Alors, je suis en train de regarder que ça bloque pas trop, non ça va, voilà, avec le tipi, le bébé, on peut avoir un emplacement photo ici, un ici, on peut en mettre un en dessous aussi si on veut, c'est pas prévu pour, mais c'est possible. Ensuite, donc là on a encore un fermoir aimanté, comme je disais, il y en a pas mal. Avec donc un emplacement photo ici, on peut en mettre une ici aussi si on veut. Le chapiteau, le fameux petit chapiteau que j'aime beaucoup. Dans les albums bébés, je trouve ça quand même limite indispensable. Voilà, ça va bien avec le thème. J'ai pas maté sur les emplacements photos ici, parce que comme je l'ai expliqué dans le tuto, je préfère laisser directement la place aux photos, puisque sinon ça fait encore plus d'épaisseur, donc je trouve ça bête de mater par dessus. Donc là ça en fait 2, 4, 6, 7 et 8. Et pareil, hop, ici c'est laissé ouvert, et ici en dessous aussi. Je mettrai le nombre de photos dans la description. Ici, donc pareil, un petit rabat aimanté. Ici, on peut mettre une voire deux photos si on veut. Ici, on peut en mettre une petite aussi. Il faudra juste faire attention aux aimants. Donc là, c'est la fameuse pop-up butterfly, papillon de Tanu Créative, avec donc 4 emplacements photos, plus un si on veut ici. Là, ça peut faire un petit coin journaling. Ici, un fermoir aimanté encore. Ici, hop, théoriquement, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai laissé ouvert. Je crois que
Non. Ah si, si, j'ai laissé ouvert des deux côtés en fait. Je l'ai collé juste au milieu. Comme ça, si la personne veut mettre deux photos ici, c'est possible. Donc là, ensuite, là on a deux emplacements photos. Pareil, hein, c'est ouvert, c'est collé juste au milieu avec des coins journaling. Ici, c'est la cascade à pousser. Voilà. Avec le bruit de grincement qui va avec. Voilà. Tac. Donc là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 8 et 9 si on en met 2 là. On tourne quand même presque à 10 photos par page. Donc c'est pas mal. Et ici, donc 1 voire 2 emplacements photos comme à l'avant. Et puis la carte comme à l'avant aussi. Voilà. Voilà, donc on a terminé. Je vais recompter tranquillement les emplacements photos. Je vais terminer de décorer aussi la cascade diagonale parce qu'elle n'est pas terminée. Et puis il sera prêt pour être livré. Voilà. Mais écoutez, moi en tout cas, j'espère que la série tuto vous a plu de cet album. Il reste pas mal de papiers de cette compagnie, donc je pense que je ferai. Un autre projet, pas forcément tout de suite, mais d'ici quelques mois maximum, pour terminer les papiers. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Excusez-moi. Pardon. Et puis du coup, oui, n'hésitez pas si vous avez des idées pour le fameux projet. Et puis ben, on le fera ensemble en série tuto encore. Moi en tout cas, je vous laisse sur cet album. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos qui vont être postées. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut !